Bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Ce soir, nous allons lire ces versets ensemble. Ésaïe, chapitre 38, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Amen, amen. Et oui, Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, a jeté tous nos péchés. C'est maintenant à nous de faire attention aux péchés, d'éviter de pécher. Et si nous avons péché, n'oublions pas de demander pardon à la personne que nous avons offensée et n'oublions pas d'aller nous confesser chez le prêtre et demander pardon à notre Dieu. Amen, amen. La confiance en notre Seigneur Jésus-Christ nous emmène plus loin que notre regard. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger, à nous bénir. Plein de bénédictions à chacun de nous. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Restons toujours auprès de notre Seigneur parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous, on connaît la Bible, on connaît notre Créateur, notre Dieu. Donc on doit toujours rester auprès de lui. Même si nous avons des problèmes, même si nous souffrons, même si on n'arrive pas à résoudre nos problèmes, ramenons tous nos fardeaux auprès de notre Seigneur Dieu et auprès de son Fils. Parce que lui-même, le Fils, a dit, « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Donc les deux forment une seule personne pour qu'eux puissent résoudre nos problèmes à chacun de nous, dans nos familles, les problèmes de nos enfants, de nos parents, de nos amis, de nos connaissances et de tout le monde dans le monde entier. Amen, amen. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci.